l'impression que c'est une autre forme de moi, en fait. Ah, c'est un dieu. Du boys band au burn-out, c'est l'incroyable saga de la star de la K-pop. Quand le coréen Bang Yong-guk signe un contrat de 7 ans avec son label, il ne sait pas où il met les pieds, mais il va vite s'en mordre les doigts. À 21 ans, le chanteur, compositeur et leader du boys band de K-pop Best Absolute Perfect, les meilleurs de la perfection absolue, est pressé comme un citron par son label qui empoche des millions quand lui touche 400 euros par mois. 3 ans plus tard, le groupe porte l'affaire en justice pour conditions de travail abusives et trouve un accord à l'amiable. Mais pour Bang Yong-guk, c'est plié. Épuisé d'être exhibé comme une bête de foire, il accumule les crises d'angoisse. L'année dernière, Bang peut enfin réaliser son rêve, dire adieu à son patron. Et en mars dernier, la franchise joue pour la première fois à Paris en solo, mais pas sans ses fans. Ah, c'est un dieu. C'est un dieu du rap et de R&B. J'ai l'impression que c'est une autre forme de moi, en fait. C'est toutes les choses que j'arrive pas à dire de manière générale, que j'arrive pas à ressentir, même parfois, je les retrouve dans ses chansons. Si Jungkook fait ce qu'il fait, c'est pour te montrer que tu es aussi capable de réussir et d'y arriver. À l'occasion de son concert au Glazart, elles étaient 250 à s'être offert des billets gold à 145 euros. Leur privilège, le droit de faire un check à Jungkook, de se faire prendre en photo et de lui offrir un cadeau aussitôt placé en sécurité dans un carton. Au suivant! Pas de câlin, s'il vous plaît. Désolé, pas de câlin. S'il vous plaît, respectez l'artiste. Une des raisons pour lesquelles je me sens si seul et déprimé, c'est qu'on m'a blessé dans le passé. Et puis, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de mal à parler avec certaines personnes. Aujourd'hui, le rescapé des boys band de 29 ans peut enfin chanter en toute liberté les ténèbres, la solitude et la dépression, son trio gagnant. En janvier dernier, le rappeur sort le morceau Hikikomori, un terme désignant ces japonais qui restent cloîtrés dans leur chambre, tétanisés par le monde extérieur. Je suis peut-être le seul humain à ressentir ça. Mais j'ai l'impression qu'en fixant les yeux d'un animal, on arrive à communiquer ensemble et à se dire tout ce qu'on veut mutuellement. J'ai un chien chez moi. Et dans les moments difficiles, il m'a toujours été d'un grand soutien. Né en 90, Bang est élevé par ses grands-parents dans la province d'Incheon, la rivière Sage en coréen, aux portes de Séoul. Préférant rapper plutôt que d'aller à l'université, le chanteur se fait remarquer alors qu'il est stagiaire et devient idol à 21 ans. Les B.A.P. jouent alors la carte du bad boy sexy. Surnommé les One Direction coréens, le groupe prend la voie rapide pour le succès, s'imposant comme un monument de la K-pop. En 2015, en pleine procédure judiciaire avec son label, Jungkook n'en peut plus de ronger son frein et sort ce clip en solo. J'ai raté beaucoup de moments dans ma jeunesse. Et je trouve ça dommage. Je n'ai pas pu m'amuser avec mes amis et aller dans un parc d'attractions, par exemple. À la place de ça, j'ai donné des concerts dans de très grandes salles, devant un large public.
Ce n'est pas une jeunesse normale. Aujourd'hui, je me soigne. Je ne peux pas monter sur scène sans avoir pris mes médicaments. On n'a pas d'autre choix que de devenir ami avec sa dépression. Mon rêve le plus fou, ce serait de voyager dans l'espace. Puis j'aimerais que les animaux puissent parler avec les humains. Et enfin, je rêve que les peluches soient vivantes.